Nanto et l'équipe médicale sont en train d'essayer d'attraper un mâle qui s'appelle Brocoli, qui est dans cette petite cage, pour le relâcher dans une grande volière avec une femelle qui s'appelle Hélène. Voilà, donc là, Nanto vient d'avoir le gibbon. Il a bien touché dans la bonne position, dans la cuisse. Donc normalement, il devrait s'endormir dans à peu près 5-10 minutes. On va relâcher ce mâle, Brocoli, avec une femelle qui, elle, est déjà dans la grande volière. Chez les gibbons, la mise en couple, c'est vraiment un élément très important du processus de réhabilitation. Et ça l'est d'autant plus ici parce que Hélène a perdu son ancien compagnon. Et pour éviter qu'elle tombe dans une dépression, on doit essayer de lui donner au plus vite un autre mâle. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Emmener un nouveau mâle dans la volière de Hélène, c'est quelque chose de risqué. C'est pour ça qu'on a administré un tranquillisant à Hélène pour qu'elle soit plus calme, pour éviter un gros conflit lors de la mise en contact. C'est pour ça que les deux individus, en fait, sont un peu groggy.